général qui a commencé à 18h45 et a terminé à 20h précise. Je ne peux plus saluer la conseillère départementale, Mme Jean-Père, qui était là tout à l'heure, mais qui est partie à une autre réunion. Je salue les deux adjoints au maire, Martial Hélère et Jean Engel. Et je pense pouvoir saluer au courant de la soirée Madame la députée. Elle a un peu de retard. Qui a un peu de retard, mais qui ne manquera pas de nous rejoindre. Madame Louise Morel. Ce soir, nous achevons le long cycle « Apprendre et enseigner » amorcé il y a 2 ans, interrompu par le Covid et repris cette année. Nous avons traité ce thème à toutes les périodes, depuis le Moyen-Âge jusqu'à l'époque contemporaine. Sous tous les régimes, même les plus néfastes. Nous l'avons fait de manière rétrospective, car je souhaitais terminer sur une note positive en mettant en exergue, parmi toutes les propositions, le cas singulier et exemplaire du gymnase de Strasbourg, cette école protestante fondée en 1538 et toujours pérenne 500 ans après. Son initiateur Jean Sturm, est considéré comme l'un des plus grands pédagogues du XVIe siècle, mais il n'est pas très connu, bien moins que Luther, bien évidemment, ou même que M. Bucer. Aussi voulons-nous savoir quelle était sa personnalité, ses principales méthodes pédagogiques, son plan d'organisation de l'enseignement primaire et secondaire, puis supérieur, les matières enseignées, ses rapports avec Martin Luther et avec Martin Bucer, a-t-il fait école ? Pour vous parler de tout ça, j'avais fait un rêve fou qui était d'inviter M. Mathieu Arnold, professeur à l'Université de Strasbourg, correspondant de l'Institut de France, qui a réédité en 2007 le traité De Literarum de Sturm et qui a organisé une importante exposition à la BNU de Strasbourg et édité en 2009 les actes du colloque qu'il a consacré à Jean Sturm justement. Ses travaux sur la réforme et la théologie protestante font autorité. On avait déjà eu l'immense privilège de l'accueillir en 2017 à l'occasion des 500 ans de la réforme. Donc j'avais rêvé qu'il vienne. Il m'a dit dans des échanges de mails qu'il était très chargé, ce que je comprends. J'ai tellement insisté que finalement il a fini par renoncer à venir nous rejoindre ce soir. Et il faut le remercier parce qu'on ne pouvait pas avoir meilleur conférencier. Je vous demande donc de l'applaudir plus que chaleureusement. Merci beaucoup. Et je vous passe donc la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Est-ce que vous m'entendez bien ? Oui. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, je suis impressionné à plus d'un titre parce que, à part quelques séances de formation tout à fait exceptionnelles durant l'année 2017 en banlieue parisienne et quelques cours donnés aux agrégatifs il y a plus de 20 ans, lorsque les étudiants qui préparaient l'agrégation d'allemand se comptaient par dizaines et non par unités, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, eh bien, rares ont été les occasions où j'ai eu un public aussi fourni. Je vais sans doute commencer par vous décevoir parce que je ne suis pas issu du gymnase Jean Sturm. Quoique né à Strasbourg, je n'ai pas fait ma scolarité au gymnase Jean Sturm, mais je me suis un peu rattrapé par la suite, dans la mesure où il n'y a pas que le gymnase qui soit l'héritier de la haute école de Jean Sturm, il y a aussi l'université, et à commencer par la faculté de théologie. Et donc j'ai essayé de me rattraper en faisant ensuite des études de théologie. Merci beaucoup, Monsieur le Président, de me ramener une quinzaine d'années en arrière, lorsque justement nous avions fait ce beau projet d'une exposition Sturm à la Bibliothèque nationale et universitaire. Et donc j'aimerais revenir sur le projet pédagogique de Sturm en essayant modestement d'en montrer l'originalité, mais aussi peut-être l'actualité. Alors j'ai un autre regret, c'est qu'en 2007, les presses universitaires de Strasbourg, sous la direction de Lucien Braun, dont je salue la mémoire, avaient, comme vous l'avez signalé, réédité en fac-similé avec une traduction française inédite son bel écrit « La bonne manière d'ouvrir les écoles de lettres ». Mais je me suis renseigné même avant d'être sollicité pour faire cette conférence et j'ai appris que cet ouvrage était épuisé pour l'instant.
Merci en tout cas à vous de me donner la possibilité de revenir sur ce sujet qui me semble important. Né en 1507, Jean Sturm est le cadet d'Erasme ou de Luther d'une bonne génération. Il arrive à Strasbourg en 1537, plus de 15 ans après les débuts de la Réforme. Martin Bucer va être nommé pasteur à Sainte-Aurélie en 1523-24 et il arrive à Strasbourg 8 ans après que la messe a été abolie en tout lieu. Donc on peut dire qu'il arrive dans une ville protestante, une ville extrêmement riche par son imprimerie, par ses imprimeurs, mais une ville tout à fait sous-développée sur le plan des établissements scolaires, ce qui peut paraître un peu surprenant. Toutes les personnes eh bien, qui ont occupé des fonctions importantes à Strasbourg à l'époque de Martin Bucer avaient fait leurs études à Bâle, à Heidelberg, à Fribourg, à Célestat bien sûr, mais en tout cas, guère à Strasbourg. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques projets éducatifs antérieurs à celui de Sturm. Puis je vous parlerai plus longuement du premier écrit de Sturm 1538, La bonne manière d'ouvrir des écoles de lettres, et je le comparerai plus brièvement à son écrit de 1565, comment est-ce qu'après 27 ans de pratique pédagogique, Sturm a reconsidéré les choses, est-ce qu'il a évolué, est-ce que, eh bien, il en est resté aux mêmes idées, est-ce qu'il a affiné son projet, et puis, comme je l'ai indiqué, je conclurai par un essai, alors c'est toujours un peu dangereux pour l'historien, mais c'est de voir quelle peut être l'actualité, ou en tout cas la pertinence de ce projet. Je vous dois aussi des excuses parce que c'est un peu paradoxal qu'étant dans un cinéma, je n'ai pas pu préparer de PowerPoint digne de ce nom. Mais votre président l'a dit, j'ai eu des semaines relativement chargées avec l'organisation il y a quelques jours d'un grand colloque sur Martin Bucer avec une bonne vingtaine de participants allemands pour la plupart. Et ces manifestations se préparent toujours en amont, sans délaisser les autres tâches. Donc toutes mes excuses, il n'y aura pas de PowerPoint, et je vais essayer de compenser cela par la parole, qui était celle que Sturm mettait en avant. J'en profite pour saluer Madame Borel, qui vient d'arriver, vous êtes la bienvenue. Excusez-moi, Monsieur Arnaud. Mais je vous en prie. Alors, je vais commencer par quelques mots sur Erasme. Tout le monde connaît l'intérêt d'Erasme pour la pédagogie, mais l'on sait sans doute moins que c'est en 1514, à Strasbourg, qu'il a publié une méthode pour lire et interpréter les auteurs, en latin. Cet ouvrage, qui était destiné à John Collet, le doyen de la cathédrale Saint-Paul à Londres, Collet qui venait de fonder justement la St. Paul School, cet écrit esquisse à la fois une méthode d'enseignement et un plan d'études. Pourtant, Erasme, qui n'a jamais eu de fonction d'enseignant, sinon de précepteur, mais en tout cas il n'a jamais été affronté à des classes, est plutôt un théoricien de la pédagogie pratique, mais pas un pédagogue professionnel comme le sera Jean Sturm. Et on le voit clairement dans les programmes qu'il a publiés. Il ne détaille pas de programme en fonction de l'âge de l'élève, ce qui nous paraît évident aujourd'hui. Lorsqu'il parle des auteurs à aborder, ses réflexions restent assez générales, même si l'on comprend rapidement que ce qui l'intéresse, c'est les auteurs de l'Antiquité, chrétienne et païenne, et non pas les auteurs du Moyen-Âge finissant, non pas les théologiens scolastiques. Il nous donne aussi quelques principes pédagogiques qui restent valables, mais qui sont assez généraux. L'importance pour l'émulation de la louange, mais aussi du blâme. Quand on considère ce traité, j'ai eu la chance de... Nous avons des sources extrêmement riches à Strasbourg, mais pas seulement à Strasbourg. C'est tout à fait émouvant que lorsqu'on parle de ces ouvrages, on ne les consulte pas seulement dans des éditions contemporaines, mais dans les éditions qui étaient imprimées il y a 500 ans, on se rend compte que finalement cet ouvrage
d'Erasme Paris à Strasbourg, est plutôt un livre du maître ou du précepteur, mais pas véritablement un programme pédagogique détaillé. Une chose tout de même a retenu mon attention, c'est qu'Erasme insistait sur le fait que très tôt, les enfants devaient acquérir un nombre important de mots pour désigner les choses. Et nous retrouverons cet élément à plusieurs reprises dans mon exposé. Erasme publie encore en 1529, notamment une instruction pour les jeunes garçons, un ouvrage plus volumineux qui insiste sur le fait que l'éducation des enfants doit débuter dès leur plus jeune âge. Il développe aussi l'idée que l'on devient véritablement un homme par l'éducation, l'éducation qui n'est pas simplement un enseignement, mais aussi un apprentissage moral. Dans cet ouvrage, il insiste sur les qualités d'un bon maître. Il doit être, dit-il, aimant et doux. Et l'on comprend en filigrane, eh bien, Erasme qui fait référence à son passé, il avait lui-même subi les rigueurs du collège de Montaigu. Il avait connu les châtiments corporels et les humiliations. Par contraste, il insiste sur la douceur qui doit être celle maître. Peut-être certains d'entre vous ont encore connu, vous êtes peut-être trop jeunes, eh bien les mains que l'on tendait au maître en tremblant, et ça ne devait pas favoriser évidemment l'apprentissage des tables et leur restitution. Et donc Erasme insiste sur le fait qu'il faut être doux. Il insiste aussi sur le fait qu'il faut graduer les difficultés, proportionner les efforts aux forces de l'élève et ne pas hésiter à introduire dans la pédagogie des jeux afin d'éviter que les jeunes se fatiguent, voire qu'ils soient dégoûtés. Donc voilà pour Erasme. J'aimerais à présent vous présenter deux auteurs alsaciens dont l'activité d'enseignement ont précédé celle de Sturm à Strasbourg. Le premier, c'est aussi un humaniste, Jacques Wimpfeling, qui avait croisé le fer avec notamment Thomas Mourner. Thomas Mourner, vieux débat, prétendait que l'Alsace était française et Wimpfeling prétendait qu'elle était allemande. Vous voyez, il y a des choses qui ne datent pas d'hier. Wimpfeling voulait former l'homme nouveau dont aurait besoin non seulement la société, mais aussi l'Église, parce que les clercs de la fin du Moyen-Âge se rendaient compte, les humanistes, combien les clercs étaient trop peu formés. Songez que la plupart des personnes qui étaient des clercs à la fin du Moyen-Âge n'avaient pas fait de théologie. C'était déjà une chance lorsqu'elles étaient passées par l'université et qu'elles en avaient rapporté un certain nombre de livres. Wimpfeling va s'engager pour la création d'une grande école latine à Strasbourg à l'image de celle de Célestat. Donc Sturm n'est pas le premier, mais Wimpfeling, lui, son idée n'a pas été couronnée de succès. En tout cas, dans son ouvrage où il parle de l'Alsace allemande, la Germania, il insiste justement, 1501, sur le fait qu'il faut fonder un novum gymnasium, un nouveau gymnase, à Strasbourg. Ne serait-ce que pour des raisons pratiques, pour que les jeunes enfants ne soient pas arrachés trop tôt à leurs parents en devant aller étudier loin de Strasbourg. Dans cet ouvrage, Wimpfeling dissuade aussi les jeunes gens de se rendre trop tôt à l'université. Vous avez des savants comme Philippe Mélenchon qui sont allés à l'université dès l'âge de 14 ans. Mais c'était un peu une exception. Il n'y avait pas nécessairement de prérequis pour aller à l'université, sinon la fortune des parents, ou alors le fait de pouvoir suivre un cursus intégré lorsqu'on était moine, par exemple. Donc, ne pas se rendre trop tôt à l'université. Il publie aussi un ouvrage qui s'appelle « Adolescentia », où il insiste sur le fait qu'il faut étudier les bons auteurs du Moyen-Âge, mais aussi de l'Antiquité, par exemple Bernard de Clairvaux, Gerson, qui était un théologien, en effet,
plus spirituel et moral qu'un théologien scolastique qui spéculait sur tout et n'importe quoi. Et puis, pour l'Antiquité, des personnes comme Sénèque, mais aussi, eh bien, Ambroise de Milan. Autre auteur strasbourgeois, personnage d'ailleurs haut en couleur, qui a été un dissident de la Réforme, qui avait des compétences en botanique, Otton Brunfels, né en 1488, mort en 1534. Il a dirigé une des deux écoles latines de Strasbourg et il a publié plusieurs écrits sur les études. Et donc nous allons nous dire, ben, voilà l'homme qu'il nous faut. C'est quelqu'un qui est un pédagogue, il a dirigé des écoles et en plus il écrit sur sa pratique. Pourtant, je vous le dis d'emblée, on est quelque peu déçus lorsqu'on lit les ouvrages de Brunfels. En 1519, alors que Strasbourg n'est pas encore passé à la Réforme et que les écrits de Luther sont encore interdits à la fois de diffusion et d'impression, Brunfels fait paraître un petit ouvrage qui s'appelle « Petites recommandations pour améliorer les études ». Alors il s'agit sans doute plutôt d'un traité destiné à des jeunes gens qui sont assez riches pour pouvoir se former chez eux avec l'aide d'un précepteur. Mais en tout cas, il donne des conseils sur les bons auteurs, ce qu'il faut aborder, sur les différentes disciplines. Il s'attarde sur la théologie, il indique les heures qui sont les plus appropriées pour étudier. Il recommande des philosophes, des historiens grecs et latins, des poètes, des grammairiens, des orateurs. Alors ça, c'est un point commun à tous les auteurs que nous allons examiner, l'art de bien parler. La formation à l'éloquence, mais ce n'est pas une éloquence qui est destinée à tromper. C'est une éloquence qui est destinée à être mise au service d'un message cohérent et constructif. Brunfels fait l'éloge donc de l'éloquence et de la rhétorique. Mais il recommande aussi les mathématiques, la médecine et le droit, sans même parler de la théologie. Vous voyez, c'est un écrit, on ne sait pas trop où on se trouve. Il y a parfois des conseils qui sont donnés à des enfants assez jeunes, et puis les études de la théologie, ce n'est pas fait pour des gens qui sont en primaire. Donc, on ne sait pas exactement quel est le niveau que vise Brunfels. Mais il y a des remarques pédagogiques, je l'ai dit, qui sont intéressantes. En 1525, là, Strasbourg est en train de devenir une ville gagnée au message luthérien, il publie un autre ouvrage qui s'appelle « Avertissement au sujet de l'instruction orale et de l'enseignement des enfants ». Mais là encore, on se situe plutôt dans le cadre d'études privées, puisque Brunfels recommande à ses lecteurs de se choisir le précepteur le plus savant. Alors il fait cette fois une distinction entre les matières. Il distingue les études utiles. Je n'aime plus ce mot, n'est-ce pas, depuis qu'on avait décrété qu'il y avait des commerces qui étaient utiles et d'autres qui ne l'étaient pas, ça me remplit un peu d'effroi, sans même parler des cultes, n'est-ce pas, qu'on n'avait plus le droit de fréquenter. Mais je m'éloigne de mon sujet. Il distingue les études utiles, la poésie, les orateurs, la géographie, l'histoire, des matières stériles. Alors les matières stériles, c'est la théologie de la fin du Moyen-Âge, le droit canon, la philosophie des sophistes, c'est les ennemis de tous les humanistes. Donc Brunfels se situe dans la lignée d'un Wimpfeling ou d'un Erasme. Dans un autre écrit de 1529, contemporain de l'abolition de la messe à Strasbourg, il traite enfin de l'âge idéal pour commencer à instruire les enfants. Alors pour lui, c'est 7 ans. Ça n'a rien d'original puisque la plupart des auteurs estiment que c'est l'âge de raison. Donc 7 ans, c'est le moment où on peut instruire les enfants. Faut-il mieux les instruire à la maison ou les envoyer à l'école? Et à l'époque déjà, l'argument pour ne pas les envoyer à l'école, c'était de dire leurs mœurs seraient corrompues par la foule des personnes qu'ils viendraient à croiser à l'école. Brunfels ne prend pas position sur l'enseignement par un précepteur ou sur l'enseignement à l'école. En tout cas, comme Sturm le fera après lui, il met en avant l'émulation.
l'émulation, ce n'est pas un gros mot au XVIe siècle, bien au contraire. Il ne propose pas de programme d'études par matière ou par niveau, mais il recommande un certain nombre d'auteurs, Homère, Cicéron, Plaute, etc. Au total, les trois ouvrages de Brunfels, vous l'avez compris, ne vaudront pas le seul traité de 1538 de Jean Sturm, et on peut comprendre que même s'il a enseigné à Strasbourg, Brunfels lui-même n'a pas fondé d'école du niveau qui sera celle du gymnase de Sturm. Mais venons-en à l'auteur que vous attendez. Jean Sturm est né à Schleiden le 1er octobre 1507. Il a fréquenté tout d'abord l'école de sa ville natale. Ensuite, il faut noter que de 1521 à 1524, avec son compatriote Slédan, ce futur grand historien, il étudie à l'école Saint-Jérôme de Liège, dirigée par les Frères de la vie commune, dont l'enseignement l'a marqué très profondément. Et puis de 1524 à 1529, il poursuit ses études à l'université de Louvain, qui s'était totalement fermée au protestantisme, qui avait même condamné les thèses de Luther. En 1529, il se rend à Paris, où il étudie le droit et la médecine. Au Collège Royal, le futur Collège de France, il a donné des cours. Alors, il faut se rappeler que le Collège de France n'avait pas encore de bâtiment à l'époque. C'était une institution que François Ier créait pour faire pièce justement à la Sorbonne, mais à la différence de Pierre Ramé, par exemple, un autre grand rhétoricien, Jean Sturm n'a pas eu de chaire. Il a donné des cours au Collège Royal sur la rhétorique, l'art de bien parler, et sur la dialectique, l'art de débattre de manière rationnelle. Il a été influencé notamment par l'humaniste français Guillaume Budé. Jean Sturm n'est à ce moment-là pas encore gagné aux idées de la Réformation. Et son parcours va être celui de bien des auteurs strasbourgeois, que ce soit Bucer, Capiton, d'autres encore, qui ont été des érasmiens, des adeptes de l'humaniste, avant de devenir des partisans des idées religieuses nouvelles. En tout cas, à partir de 1533, Sturm compte parmi les protégés de Marguerite de Navarre, qui elle non plus n'est jamais devenue protestante, même si elle a protégé des humanistes attirés par les idées de la Réforme. Et à la suite de l'affaire des placards, qui avait aussi contraint Calvin, vous le savez, à fuir la France, eh bien, Jean Sturm, lui aussi, suite à la violente répression qui frappe les évangéliques, accepte à la fin de 1536, il viendra en 1537, l'appel strasbourgeois pour enseigner la rhétorique et la dialectique. Alors, nous célébrons cette année le 500e anniversaire de la venue de Martin Bucer à Strasbourg. Martin Bucer était un grand homme parce qu'il a su s'entourer de personnages prestigieux. Il n'était pas, vous savez, de ces universitaires qui se disent « pourvu qu'on nomme à mes côtés quelqu'un d'encore plus médiocre que moi », mais au contraire, il attirait de grands personnages. Et c'est tout à son honneur. Il a fait venir Calvin en 1538. Il fait venir Jean Sturm à Strasbourg. Alors, dès 1528, lors d'un bref séjour à Strasbourg, Sturm avait d'ailleurs fait la connaissance de Bucer. C'est en février 1538 que Sturm propose aux magistrats, aux conseils, aux autorités politiques de Strasbourg de réunir en un établissement unique les différentes écoles latines de la ville. Le magistrat accepte sa proposition et dès le 30 septembre 1538, le gymnase ouvrit ses portes. Dès 1539, Sturm va être nommé recteur perpétuel, fonction qu'il a conservée jusqu'en 1580. Alors venons-en maintenant
à sa pédagogie avant de présenter son premier écrit, quelques aperçus généraux. Jean Sturme fait partie des grands pédagogues du XVIe siècle. Son idéal, vous le connaissez, c'était celui d'une piété à la fois sage et éloquente. Une piété se fondant sur la connaissance et sur l'éloquence. Jean Sturme était un humaniste chrétien. Il insistait sur le fait que l'instruction, la sagesse, la sapientia, devait mener à une attitude religieuse et morale, la pietas. Quant à l'éloquence, elle devait refléter la sagesse. Alors comme les humanistes, comme Erasme, Sturme privilégiait le beau style latin. Et vous comprendrez que Sturme a insisté sur le fait que toute l'instruction se fasse en latin. Ce qui était sans doute à la fois une des forces de l'enseignement du gymnase à l'époque, mais nous allons le voir, peut-être aussi une faiblesse. Dans ses écrits programmatiques, toujours remarque générale, Sturme a accordé un rôle important non seulement aux enseignants, mais aussi aux parents. Il n'excluait pas les parents de la pédagogie, bien au contraire. Pour ce qui était de la méthode, je me garderai de dire qu'il a tout inventé. Les frères de la vie commune, déjà, prônaient un enseignement qui procédait par étapes. Un enseignement marqué par une évidente unité, mais procédant par étapes, et donc l'école est divisée en classes. Importance accordée aussi aux épreuves orales, car elles permettent aux élèves l'éloquence, le fait de bien parler. Par ailleurs, Jean Sturme insistait, et vous savez que ça a été développé par la pédagogie jésuite également, sur l'importance des représentations théâtrales. L'émulation tenait une place importante dans ce projet pédagogique, j'y reviendrai. Je note enfin que Sturme a emprunté aux écoles parisiennes la pratique des débats académiques, ce qu'on appelle la disputatio, le fait qu'on donne un... Les soutenances de thèse à l'époque, c'était pas rédiger un gros pavé, et puis le soutenir ensuite, mais c'était défendre des aphorismes, des phrases percutantes rédigées par le directeur de thèse ou par le maître devant ses camarades et devant d'autres maîtres. Alors Sturme a rédigé de nombreux écrits dialogiques à l'intention de ses élèves. J'en viens à présent donc à cet écrit de 1538, La bonne manière d'ouvrir des écoles de lettres. En février 1538, il présente au magistrat un écrit de quelques pages seulement. Son ouvrage sur la bonne manière d'ouvrir des écoles de lettres reprend ce propos, mais en l'amplifiant considérablement. Il est dédié aux trois scolarques, les Schulherren, c'étaient les membres du magistrat qui étaient préposés aux affaires scolaires. Il s'agissait notamment de Jacques Sturme. Aucun lien de parenté avec Jean, le Stettmeister de Strasbourg, de Nicolas Knips, un des conseillers gagnés très tôt au message réformateur, et de Jacques Mayer. Alors, dans ce traité, Sturme élabore les principes, les contenus et l'organisation du système éducatif qu'il propose pour le gymnase de Strasbourg. Gymnase de Strasbourg dont nous allons voir que c'est à la fois un établissement qu'on qualifierait aujourd'hui d'enseignement primaire et secondaire, et en ce sens, il est bien le prédécesseur du gymnase qui existe encore aujourd'hui, mais ses études primaires et secondaires sont couronnées par des études supérieures. Jean Sturme les qualifie de leçons publiques, et de ce point de vue, on peut dire que le gymnase est aussi à l'origine de l'université de Strasbourg. De fait, en 1988, lorsque nous avons commémoré un 500e anniversaire, c'était à la fois celui du gymnase,
Un 450e anniversaire, excusez-moi, le 500e va venir. On est, voilà, tout à fait, c'était à la fois le gymnase et l'université de Strasbourg. Jean Stourm, donc, précise d'emblée dans son écrit, « Nous avons visé à faire de la piété fondée sur le savoir et l'éloquence le but des études. » Alors, quel est le plan de cet écrit avant de venir au détail du propos de Stourm? Vous avez une importante préface qui porte sur l'utilité des lettres, le but des études et il ne faut pas l'oublier, alors on en parle de temps en temps aujourd'hui encore, le traitement des enseignants. Mais il y a aussi les devoirs des parents, la sélection à faire parmi les élèves, les bourses à attribuer aux étudiants pauvres mais prometteurs, et cette préface se conclut par un plaidoyer pour l'institution d'un seul gymnase commun et public. Nous verrons pourquoi un seul gymnase commun. Ensuite, Stourm expose les matières et les méthodes à traiter dans les différentes classes. Donc il procède pas classe par classe et de temps en temps, il interrompt son propos par des chapitres plus thématiques. C'est ainsi qu'après avoir traité les trois premières classes, 9e, 8e, 7e, je note que le gymnase comptera jusqu'à 10 classes. Mais au début, Stourm avait envisagé 9 classes. Après les trois premières classes, il consacre un chapitre thématique à la question de l'exercice de la mémoire et des heures d'enseignement. De même, après avoir exposé le programme de la 6e, 5e et 4e, il traite de l'analyse des orateurs et de la rhétorique, etc. Les pages qu'il consacre au cours supérieur, donc l'embryon d'université, à l'époque théologie, droit et médecine, débouchent sur des considérations relatives aux méthodes d'enseignement. Il demande que les étudiants complètent leur formation à la maison. Il parle aussi des différents types d'exercices oraux, j'y reviendrai. Surtout, Jean Stourm conclut son ouvrage sur le fait que les enseignants doivent faire preuve entre eux de concorde, ils ne doivent pas se disputer les uns avec les autres, de modestie et de diligence. Alors revenons à présent, si vous voulez, dans le détail sur ce propos. Donc Stourm commence par essayer de capter la faveur de ses lecteurs, la captatio benevolentiae. Il insiste sur l'utilité des lettres. Il faut convaincre absolument le magistrat qu'il a fait le bon choix en ouvrant cette école. Alors pour Stourm, les hommes, par la suite de leur nature, ont en commun bien des vices. Alors, là, vous voyez que Stourm n'est pas Rousseau. Il est plutôt un réformateur. L'homme n'est pas bon naturellement. Il est enclin au péché. Il est plutôt mauvais. Mais ce n'est pas dramatique parce que on peut compenser cela par l'enseignement. L'enseignement, dit Stourm, ce sera le remède à la barbarie. L'étude des lettres, c'est ce qui dégrossit le plus les mœurs. Je cite Stourm, « L'enseignement a les forces les plus grandes, mais aussi bien pour venir en aide que pour nuire. » Si l'enseignement est mal dispensé, il est nocif. Quel est le but des études? C'est acquérir un savoir marqué, je l'ai dit, par la piété et par la religion. Stourm ne distingue pas le fond de la forme. L'acquisition du savoir va nécessairement de pair avec l'élégance du discours. Ce qui se pense clairement s'énonce de la même manière. Aussi, le premier âge est consacré à la formation du langage. Je cite Stourm, de même qu'ils s'habituent très facilement à parler, les enfants s'habituent aussi à agir correctement. Donc toujours le lien entre l'acquisition de la maîtrise de la parole et l'élévation morale. Stourm plaide pour que les enseignants reçoivent un traitement décent, voire attractif, mais ne néglige pas les devoirs des parents. Alors je vous laisse juge de l'actualité de ses propos. Voilà ce qu'il dit.
la sollicitude des parents à la maison doit s'ajouter au principe des, au précepte des enseignants. Autrement dit, les parents ne doivent pas dénigrer à la maison les enseignants. Les oppositions entre parents et enseignants troublent fortement l'éducation des enfants, ajoute-t-il. Un parent doit supporter non seulement que ses enfants soient loués et stimulés, mais aussi qu'ils soient repris et parfois même châtiés. Les parents pousseront leurs enfants au respect de ceux qui les éduquent, et même si par ignorance ou par manque de temps, eux-mêmes ne peuvent pas prodiguer cette instruction, il faut montrer qu'ils veulent que cette instruction soit donnée à leurs enfants et qu'elle est souhaitable. Jean Stourm appelle ensuite à faire une sélection parmi les jeunes garçons. Alors, je note que jamais, au contraire d'un Martin Luther, j'y reviendrai, ou de l'humaniste espagnol Jean-Louis Vives, il ne parle des filles. Et c'est sans doute la principale lacune de son écrit. Il met en garde contre un tri prématuré, en rappelant que tout le monde n'est pas mûr au même moment. Certains élèves sont au début lents à comprendre, mais ensuite, avec le temps et l'exercice, ils parviendront à être plus dociles et à comprendre plus facilement. Stourm plaide surtout auprès des membres du magistrat, ce sont ceux qui ont les cordons de la bourse. Et, petite parenthèse, le magistrat de Strasbourg n'était pas toujours très généreux. Lorsqu'il a engagé Jean Calvin, il lui a donné un traitement de 60 florins. Alors, on comprend que Calvin soit retourné en Suisse par la suite. Mais ça, c'est un trait d'humour, parce qu'en fait, si Calvin est retourné en Suisse, c'est parce qu'il aimait bien écrire en français. Ce n'était pas à Strasbourg qu'il pouvait être compris s'il écrivait en français. Mais cela dit, le magistrat de Strasbourg a été pingre avec Calvin, et je ne manque pas une occasion de le dire, lorsqu'il y a des manifestations et qu'il y a des édiles strasbourgeoises, 60 euros, c'était 5 fois moins, au moins, que le traitement de Jean Stourm. Donc il faut donner des bourses aux enfants qui ont des dispositions naturelles importantes, mais, je cite Stourm, qui ne sont affligés d'aucun sort plus injuste que celui d'être nés de parents pauvres. Il faut donc constituer des sommes précises pour subvenir à la fois aux besoins des enfants de la cité, mais aussi aux besoins des enfants étrangers chez lesquels on verrait briller l'intelligence. Alors ça, c'est une proposition encore plus remarquable parce qu'à l'époque, la charité municipale se limite très clairement aux pauvres locaux. Et donc, Stourm, on chasse généralement les miséreux venus d'ailleurs. On veut bien s'occuper des pauvres locaux, mais pas des autres. Jean Stourm va jusqu'à dire, mais il faut soutenir les enfants étrangers qui sont doués. Stourm insiste sur le fait que l'établissement qu'il va fonder doit être un établissement unique, parce que, d'une part, cela permettra de mieux employer les ressources de la ville, et d'autre part, cela favorisera l'émulation. Si des élèves sont peu nombreux, sous la conduite d'un seul maître, qui n'a pas de concurrent, vous comprendrez facilement, eh bien que la stimulation est moindre que s'ils ont la chance d'avoir de nombreux maîtres au cours de leur scolarité et qu'eux-mêmes sont plus nombreux. Donc pour Jean Stourm, ceux qui écoutent les élèves sont stimulés par la variété et l'abondance, alors qu'ils se relâchent quand ils sont seuls ou peu nombreux. Alors venons-en à présent au programme scolaire, divisé donc en deux parties. Les 9 classes primaires secondaires, Stourm ne distingue pas entre ce que nous dirions l'école primaire et le collège, il y a 9 classes, et puis ensuite, ce sont les années de cours universitaires. Stourm insiste sur le fait que chaque élève sera conduit progressivement dans toutes les classes. Et on n'a à aucun moment l'idée chez Stourm que des élèves particulièrement doués pourraient faire l'économie d'une classe. Parce que son enseignement est extrêmement riche, extrêmement progressif, il faut passer par tous ces niveaux. Les 7 premières classes sont destinées à obtenir à l'écrit et à l'oral un discours latin clair.
Les deux dernières sont destinées à obtenir un discours orné, c'est-à-dire un discours élégant, précis et nuancé. J'y reviendrai. En tout cas, la gradation est importante. Il y a bien sûr un maître par classe. Un maître ne peut pas enseigner à tout le monde. Alors, parfois même, il y aura plusieurs sections, n'est-ce pas, de même niveau, parce que le gymnase comptera parfois plus de 600 élèves au XVIe siècle. Qu'apprend-on ? En IXe, les élèves apprennent la forme des lettres, leur liaison, leur prononciation, de manière à les tracer et à les prononcer élégamment. Dès ce niveau, il faut apprendre aussi le catéchisme, mais en allemand, pas encore latin. Par ailleurs, les élèves se familiariseront avec des écrits latins, dès la première année, les lettres les plus courtes et les plus faciles de Cicéron. En huitième, en deuxième année, une fois posés les fondements de la lecture et de l'écriture, pendant les six premiers mois, on enseignera chaque jour 2 heures de grammaire, tandis que les 2 autres heures quotidiennes seront consacrées à des textes de Virgile et aux lettres de Cicéron. Alors, Sturm partage avec la plupart des humanistes et des réformateurs l'idée que le plus grand orateur latin, en tout cas, c'est Cicéron. Donc il faut le mettre au centre de l'enseignement. Après ces principes de grammaire les 6 premiers mois, les 6 mois suivants de la deuxième année, on s'attache à la construction du discours. L'enfant doit prendre l'habitude de parler en latin, de changer les expressions du langage quotidien en des formes latines. Il doit vraiment s'immerger dans le latin pour que ça devienne sa deuxième langue, voire sa langue principale. En septième, on s'attachera au genre du discours et aux diverses sortes de vers. Alors c'est dommage, me semble-t-il, que l'enseignement, bien souvent, ne s'attache plus suffisamment à la question du genre du discours, et notamment des genres de lettres. Vous n'écrivez pas une lettre de réconfort de la même manière que vous écrivez une lettre de demande, etc. Donc le genre du discours est important. Je me souviens d'un autre pédagogue qui était aussi un rhéteur, alors bien des générations après Sturm, qui a enseigné il y a quelques décennies à Strasbourg, c'était Olivier Reboul. Olivier Reboul disait « le genre contraint la pensée ». Le genre contraint la pensée. On étudiera des livres de Cicéron sur l'amitié ou sur la vieillesse. On consacrera une heure au poème de l'Énéide, par exemple, et la dernière heure sera consacrée au style. En sixième, qui est la quatrième année, il faut donner dispense de nouvelles règles, pause dans les apprentissages nouveaux. Il faut veiller à ce que ce qui a été appris dans les 3 premières années a été correctement intégré. On veille à ce qu'il y ait mémoire des choses apprises. Donc on approfondit un certain nombre de savoirs. On choisit chez Cicéron des passages brillants, portant sur de grands sujets. Les latinistes, il y en a sans doute dans la salle, eh bien ils sont appelés aussi à lire la guerre des Gaules de César, mais on recommande aussi la lecture de poètes latins comme Terence. La langue, écrit Sturm, est pure et vraiment romaine chez Terence. Et puis pour le style, on lira un autre poète, Virgile. Une dernière heure étant consacrée à la correction des écrits et des compositions. Alors si en quatrième année, la sixième, on a pu un peu se reposer, revoir les acquis, il n'en est rien en cinquième, parce que là il y a une grande nouveauté. Ce n'est plus seulement le latin que l'on apprend à haute dose, mais c'est le grec. Les 6 premiers mois, le maître proposera au jeune garçon des éléments tirés des règles grammaticales du grec. Ensuite, il leur expliquera les fables d'Ésope. D'autres heures seront quand même consacrées, rassurez-vous, le latin ne sera pas négligé. Le traité De Officiis, les devoirs de Cicéron, sera examiné, et une heure sera laissée à la rédaction et à la composition, avec toujours l'idée qu'il faut doter les enfants
d'un vocabulaire le plus riche qui leur permette de s'exprimer de la manière la plus nuancée. Je cite Sturm, « Il faut en cette classe se doter d'une plus grande abondance de mots, ce que Sturm appelle la copia verborum, et accumuler les tournures que peuvent avoir les phrases. » Et puis, en cinquième, une autre nouveauté, il ne faut pas seulement réfléchir lorsqu'on fait des devoirs écrits, mais il faut aussi faire des exposés qui ont été médités au préalable. Donc pas d'expression spontanée, mais s'exprimer à l'oral pour répondre à des questions comme on le ferait par écrit. En quatrième, on progressera de manière égale dans les auteurs grecs et latins, Démosthène, Cicéron, Homère, Virgile, à chaque fois en alternance pendant 2 heures, on s'attachera à la grammaire grecque, aux règles de rhétorique et au style. Désormais, il faut déjà apprendre, commencer à apprendre un style qui ne soit pas seulement clair, mais qui soit aussi plus orné. Pour Sturm, la quatrième, c'est quand les enfants ont 12-13 ans, d'après mes calculs, et la dernière année de l'enfance. Il faut maintenant non seulement apprendre aux enfants à bien s'exprimer, mais aussi à débattre, la dialectique. Outre Cicéron et Aristote, alors c'est intéressant que Sturm retienne Aristote parce que c'était un auteur détesté par les réformateurs pour son influence sur la théologie, mais il est vrai qu'un certain nombre de ses écrits éthiques restaient au programme. Donc Aristote figure aussi au programme des auteurs tels que l'homme politique Salluste, César, Tite Live, et pour les auteurs grecs, Démosthène et Échine. En seconde, donc l'avant-dernière classe, eh bien, il importe désormais de trouver le point final des préceptes qui gouvernent le discours orné, le discours élégant, et il faut maintenant que le discours ne soit non plus seulement clair et orné, mais qu'il soit adapté, c'est-à-dire adapté aux circonstances dans lesquelles il est prononcé, adapté aux personnes vers lesquelles il est dirigé. Et ça aussi, je crois que c'est très important et que ce sont des choses qui malheureusement se perdent. On écrit de la même manière à tout le monde depuis que se développent les mails et j'ai des étudiants qui m'envoient leurs messages cordiaux, je ne vous dis pas pire, alors que je me contenterai de leurs salutations les meilleures et que j'approuverai qu'elles fussent respectueuses. Mais ça, c'est sans doute beaucoup demandé. Voilà. Donc, l'aptum, le discours approprié. Sturm insiste sur le fait qu'il faut à la fois cultiver l'écriture, mais aussi l'expression orale. Alors, on est dans le gymnase Jean Sturm, un établissement fondé à la demande des réformateurs. Qu'en est-il de la place de la religion? Je vous ai dit qu'il y avait un peu de catéchisme dans les premières années. Alors c'est vrai que Sturm ne dit pas, classe par classe, ce qu'il faudrait enseigner. Ce n'est qu'après avoir parcouru toutes les classes, de la 9e à la 1ère, qu'il revient sur la religion. Son discours est assez bref. Ce que l'on sait, c'est que les jours fériés ne sont pas destinés à se reposer, mais à ce qu'on écoute justement, attentivement, des récits de la Bible, et que l'on participe également au culte. Les enfants du gymnase étaient tenus d'assister aux offices, mais parfois même, ils animaient les chorales. Il ne faut pas croire que, dans le Strasbourg de la Réforme, parce que brusquement on avait dit que les fidèles pouvaient chanter en langue vernaculaire, que du jour au lendemain, les fidèles aient acquis une compétence formidable pour chanter. Et donc, il fallait souvent que des chorales de jeunes garçons les entraînent. Sturm insiste sur le fait qu'il ne faut pas seulement connaître le Nouveau Testament, mais que Moïse, c'est-à-dire l'Ancien Testament, est aussi extrêmement précieux. Et dans les dernières classes, on ne lira pas seulement la Bible dans sa traduction latine, mais on lira le Nouveau Testament en grec
et l'Ancien Testament en hébreu. Autrement dit, quelqu'un qui sortait du gymnase à l'époque de Sturm était tout à fait compétent pour entreprendre des études de théologie. Pour Sturm, en tout cas, il n'y avait pas d'opposition entre les auteurs classiques, y compris païens de l'Antiquité, et ce qu'il appelait les lectures sacrées. Vers la fin de sa carrière, malheureusement, Jean Sturm sera en butte après la mort des réformateurs de la première génération, Bucer, Zell, etc., à l'orthodoxie luthérienne qui insistera beaucoup plus sur les questions dogmatiques et qui aura tendance à vouloir bannir les auteurs de l'Antiquité païenne. Sturm résistera, mais ça lui coûtera sa place de recteur perpétuel en 1580. Alors, quelques mots, rassurez-vous, je serai plus bref, sur l'enseignement supérieur. Parce que ce qui fait que le gymnase de Sturm était une haute école, ou ce qu'on appelait alors un gymnasium illustré, c'était le fait que vous ayez cet enseignement dont je vous ai parlé, sur lequel s'adossait un enseignement supérieur, qui n'était pas encore une université. Il faudra attendre 1566 pour que Strasbourg soit dotée d'une académie, c'est-à-dire une semi-université, qui ne confère pas le grade de doctorat, mais les autres grades, et il faudra attendre 1621 pour que cette académie soit élevée au rang d'université. Sturm, à la différence de ce qu'il a dit pour les petites classes, ne semble pas envisager de progression durant les 5 années de cours publics dont il parle. En tout cas, il insiste sur le fait que la piété éclairée par les lettres doit demeurer chez les théologiens, mais aussi chez les juristes, chez les médecins et dans toute profession. Enseigner quelqu'un qui ignore la religion, défendre un innocent pour un juriste, soigner un malade, tout cela, dit Sturm, regarde la charité chrétienne. Donc le but des études supérieures est le même que celui eh bien, des 9 classes qui les ont précédées. Dans ces cours, il faut que les enseignants choisissent les meilleurs auteurs et pour le reste, les étudiants devront compléter leur formation en privé. Je comprends par là que Sturm dit, dans les leçons données par les maîtres à l'université, il faut étudier les auteurs essentiels, notamment les grands auteurs de l'Antiquité. Quant aux commentateurs, quant aux auteurs de la tradition du Moyen-Âge finissant, on peut les consulter, mais c'est à l'élève de le faire en privé. Le maître doit commenter les meilleurs auteurs. Quant à la Bible, qui est quand même le fondement, en tout cas pour les études de théologie, eh bien, il faut expliquer notamment les évangélistes, les épîtres apostoliques, les livres de Moïse et les prophètes. Tout le reste est inopportun, c'est-à-dire sola scriptura, on se concentre sur la Bible, mais pas sur les commentateurs et surtout pas sur la scolastique. Dans chaque discipline, on sera attentif à ce qui se fait dans les autres matière. Un juriste ne peut pas ignorer ce que les philosophes disent à propos des mœurs ou de l'État. Un théologien ne peut pas ignorer les autres matières. Et surtout, il ne peut pas ignorer la rhétorique, l'art de bien dire, pas davantage que l'histoire. Les auteurs qui ont conservé la mémoire de l'Antiquité ou même le droit. Alors vous savez d'ailleurs que Calvin n'avait pas fait d'études de théologie. Il avait fait des études de droit, mais des auteurs récents comme Olivier Millet ont montré que les matières n'étaient pas du tout aussi cloisonnées à l'époque qu'aujourd'hui et que finalement, tant en droit qu'en théologie, on commentait principalement des textes de l'Antiquité classique et que donc il était assez facile, évidemment, passer à la théologie, il fallait encore s'instruire en grec et en hébreu, mais plus facile sans doute qu'aujourd'hui de passer d'une discipline à l'autre. Comment se répartissent ces cours publics? Donc, à côté des 3 grandes facultés, théologie, droit et médecine, Sturm ne dédaigne pas non plus la philosophie ou l'histoire. Mais donc, je note que c'est en 1621 qu'il y aura vraiment une université à Strasbourg, même si nous avons fêté cet anniversaire
en 1988. Alors, quelques considérations pédagogiques d'ensemble. Après avoir examiné ces programmes pour l'ancêtre du gymnase et pour l'université. Schtourm insiste sur une éducation, un enseignement progressif et un enseignement cohérent. Il insiste sur l'émulation. Les jeunes gens sont stimulés lorsqu'ils remarquent qu'ils ont progressé, ce qui fait que le passage en classe supérieure est accompagné par une cérémonie solennel. Alors ce caractère solennel, on semble le redécouvrir. À l'Université de Strasbourg, cela fait quelques années que les remises de doctorat sont de nouveau solennelles. On ne vient plus chercher son diplôme en catimini dans un obscur secrétariat. Donc cette importance légitimer réussite. Dans chaque classe, les deux meilleurs sont récompensés, mais pour éviter le favoritisme, on donne l'occasion aux moins bons de débattre avec eux par la plume et par la parole. Et s'ils se montrent égaux lors de ce débat, ils seront eux aussi récompensés. Schtourm insiste sur le fait que les enseignants ne doivent pas freiner cette émulation. Et j'ajoute, ça c'est moi qui l'ajoute, par souci déplacé d'égalitarisme. Mais je pense que c'est ce que Schtourm veut dire, je le cite. « L'élève ne doit pas être réprimandé s'il estime qu'être battu est honteux et qu'exceller par le savoir est glorieux. En effet, ce qui est honteux, c'est de ne jamais être stimulé et d'être donc condamné à la paresse et à l'inaction. » Donc, importance de l'émulation, importance aussi de la répétition. Je n'ai pas pu vous le montrer, mais à des moments réguliers, tout au long de son traité, Schtourm dit telle ou telle chose a été étudiée précédemment, il faut revenir dessus pour bien s'assurer, à un intervalle raisonnable, dit-il, que l'élève a bien retenu ce qui lui avait été appris. Il insiste aussi sur le fait qu'il ne faut pas accabler les enfants de trop longues leçons, qu'il faut aller droit au but par le chemin le plus aisé, et qu'il ne faut pas non plus, ça il aurait aussi pu le dire pour les prédicateurs, et il aurait peut-être même pu le dire pour Martin Bucer, qui parfois était un peu trop long, il ne faut pas vouloir tout dire en une seule fois. Là encore, il convient de trouver le juste milieu. Alors, le juste milieu, la médiocritas, ça, c'est l'idéal des humanistes. Le juste milieu sur le fait de trop s'attarder sur telle ou telle matière, et puis sur le fait, au contraire, de passer trop rapidement dessus, ce qui trouble la mémoire. Pour Schtourm, il faut aussi éviter d'aborder trop de thèmes en un seul jour. Il recommande 3 sujets au maximum, le mieux étant de s'en tenir à 2. Enfin, il a des remarques sur la personnalité des enseignants. Les maîtres doivent illustrer par leur personne ce qu'ils enseignent aux enfants. Autrement dit, ils doivent prêcher d'exemple. Par leur piété, par leur savoir, ils doivent précéder les autres hommes. Schtourm, je l'ai dit, a abordé aussi la question de leur traitement. Son traité se conclut sur les enseignants dans des pages qui portent justement sur l'entente qui doit régner entre eux, sur la modestie qui doit être la leur et sur le soin qu'ils doivent accorder à leur tâche. Ces qualités, dit-il, sont indispensables parce que les élèves ont tendance à imiter les manières de se conduire de leurs enseignants, y compris et peut-être surtout lorsqu'elles sont les plus ineptes. Donc, ils doivent être des modèles. Je vais très rapidement, rassurez-vous, comparer ce que Schtourm a écrit 27 ans plus tard. Dans un écrit qui, d'une certaine manière, a une forme d'ailleurs plus attractive encore que le traité de 1538, mais qui est moins complet, c'est les lettres classiques, classiques et épistolées. Cette fois, Jean Schtourm va adresser une lettre à chacun des enseignants des différents niveaux au gymnase pour leur exposer ce qu'il veut faire et ce qu'il attend d'eux. Alors sans doute a-t-il aussi jugé bon de publier ce traité parce qu'une génération s'était passée et il avait peut-être
il s'était rendu compte que eh bien, les préceptes qu'il avait voulu inculquer en 1538, malgré son soin diligent à les faire respecter, ne l'étaient peut-être plus toujours ni par tous les enseignants. Et donc il va écrire à chacun des enseignants d'alors pour lui rappeler quels sont ses devoirs. À ce moment-là, 1565, nous avons désormais 10 classes, et non plus 10 niveaux, et non plus 9. À nouveau, Sturm insiste sur le but unique auquel doivent concourir tous les enseignants. Je le cite, « Je veux que vous suiviez tous la même voie, mais non avec les mêmes charges. Je veux voir mes soldats allègres, donc la métaphore militaire, sous leur fardeau, et que chacun diminue ou allège la charge de l'autre. Je veux qu'il y ait pour tous la même méthode, la même pédagogie. » Nous pourrions nous demander si Jean Sturm a procédé à des modifications importantes dans cette pédagogie et dans cette méthode. Il n'en est rien. Il s'est contenté de très légers ajustements. Il a déplacé certaines matières ou certaines lectures d'une année ou deux. Par ailleurs, les exercices de rédaction qu'il prône sont désormais davantage adaptés aux élèves que 30 ans plus tôt. En entendant tous les auteurs classiques que j'ai énumérés, vous avez dû vous dire que peut-être que vous ne les aviez pas tous pratiqués, même si vous aviez fait du latin ou du grec jusqu'à la fin du siècle. Le programme de Sturm était un programme particulièrement ambitieux. Mais il estime qu'il n'a pas trouvé de meilleure méthode que la sienne, même après l'expérience acquise de ses 27 années de direction au gymnase et après avoir étudié la pédagogie des jésuites. Donc Sturm essaie de voir aussi ce qui se passait ailleurs pour s'améliorer. Dans les lettres classiques, Sturm réitère sa confiance dans l'éducation. C'est incroyable à quoi peut arriver l'homme par l'effort, l'imitation, l'émulation, à condition que rien ne soit refusé à l'ingéniosité et à l'assiduité. Il continue de demander à la municipalité de Strasbourg de bien traiter les maîtres, ne les laisser manquer de rien et ayez soin aussi de leurs enfants. Quant aux pédagogues, il leur demande d'adapter leur enseignement aux élèves. Il faut, leur dit-il, éliminer dans les premières années tout ce qui est obscur ou difficile à saisir. Ce sont le lait et les aliments légers qui conviennent aux entrailles délicates de l'enfant. De même, il faut leur donner un enseignement agréable et facile à assimiler. Et puis, Jean Sturm a le soin de mettre en valeur le travail des maîtres des petites classes. Il ne fait pas de distinction entre les maîtres des classes supérieures et les maîtres des petites classes. Bien au contraire, voilà ce qu'il écrit au maître de la dixième. Ne te lasse pas, n'aie pas honte de ton travail. Tu ne l'évalueras pas d'après ton savoir. C'est-à-dire que je suis un enseignant, je suis beaucoup plus instruit que mes élèves, mais je dois enseigner en dixième. Tu ne l'évalueras pas d'après ton savoir, mais d'après son utilité pour l'État, dont les bons citoyens doivent être instruits. Enfin, dans ce nouveau programme, Sturm rappelle avec insistance le rôle de l'apprentissage d'un vocabulaire fourni. Les enfants doivent emmagasiner des mots, en les comprenant bien sûr, ils doivent les reporter sur un cahier de notes quotidien, car lorsqu'on connaît les mots, on peut mieux embrasser la réalité qui vous entoure. Alors je termine par une évaluation du programme de Sturm. En 1938, lors du 400e anniversaire de la création du gymnase, Jean Roth, archiviste paléographe que j'ai encore connu, qui a été le premier éditeur de la correspondance de Bucer, et je peux vous dire que lui parlait le latin comme vous et moi en tout cas, comme moi je parle le français. C'était quelqu'un qui baignait encore dans cette culture classique de manière assez incroyable. Jean Roth avait fait un éloge appuyé de l'œuvre de Sturm. Voilà ce qu'il écrivait. « Jean Sturm a su définir clairement
le but de l'enseignement tel qu'il l'entendait, déterminer les moyens nécessaires à sa réalisation, établir d'après ses vues un programme précis et gradué. Voilà le jugement d'un très grand savant sur Jean Sturm. Pourtant, au XIXe siècle, les interprètes de Sturm étaient plus critiques. Le grand historien Charles Schmitt, par exemple, estimait que Sturm aurait dû plus s'intéresser à l'allemand, en tout cas aux langues vernaculaires, comme le faisaient les réformateurs. C'est oublié peut-être que pour Jean Sturm, le latin n'était pas une langue morte, mais c'était une véritable langue vivante. Songez que tous ces humanistes, qu'est-ce qui les unissait ? Qu'ils soient anglais, polonais, italiens, et j'aurais dû vous dire que parmi les 600 et plus élèves qui venaient du gymnase, ils venaient de l'Europe tout entière, de la Scandinavie, de l'Angleterre, mais aussi des pays du Sud. Eh bien, c'était grâce au latin qu'ils pouvaient être enseignés, alors que leur langue vernaculaire n'était pas les mêmes. Mais c'est vrai donc que Sturm fonde son enseignement sur le latin. Mais c'était pour lui une langue vivante, il la maniait comme telle. On a pu aussi critiquer Sturm parce qu'il insistait sur la rhétorique. Mais c'est oublier l'importance de l'éloquence à l'époque de Sturm et l'importance de l'éloquence pour les tâches auxquelles Sturm destinait les élèves du gymnase. Et puis c'est oublier aussi que Sturm établit un lien étroit entre l'éloquence, la sagesse et la piété. L'éloquence de Sturm, ce n'est jamais le beau discours creux. Bien au contraire. Si Sturm veut apprendre à ses élèves à bien parler, c'est parce qu'il les destine à la vie publique, à l'Église, à l'État, où l'éloquence tient une place si importante. Alors, une autre critique adressée à Sturm, c'est les buts qu'il fixait à l'éloquence. Ils étaient sans doute trop élevés, et même en 1565, même en allégeant un peu certains programmes, on peut se demander si les textes qu'il soumettait à ses élèves ne dépassaient pas parfois leur capacité. Et puis, je l'ai dit, tout au long de ses traités, Sturm parle des garçons, des petits garçons, mais nullement des fillettes ou des jeunes filles. Sur ce plan, c'est un autre protestant, éminemment du XVIe siècle, qui l'a surpassé, et de loin, Martin Luther, qui ne s'est pas contenté de rédiger en 1524 un écrit invitant à enseigner les garçons et les filles à ouvrir des écoles pour les garçons et pour les filles, mais qui a encore ajouté que tant parmi les garçons que parmi les filles se dégagerait une élite que l'on pourrait destiner à un enseignement plus poussé. Alors c'est vrai que Sturm n'a eu en considération les garçons. Mais j'aimerais conclure sur une note positive, de même que vous avez souhaité conclure votre cycle sur une note positive, c'est l'actualité de Sturm. Il a développé un enseignement progressif. Il a souligné le rôle de l'émulation. À la suite d'Erasme, il a insisté sur la place des parents, même lorsqu'eux-mêmes ne sont pas capables d'instruire leurs enfants comme le ferait l'école. Il a favorisé l'accès au savoir d'enfants qui n'avaient pas les moyens de financer les études, qui étaient très coûteuses. Il a souligné l'importance des belles lettres et du discours puisé aux sources de l'Antiquité. Alors, si Sturm revenait parmi nous, ça c'est toujours un exercice difficile, normalement même interdit aux historiens, la méta-histoire, et force lui serait de constater, l'Uchronie tout à fait, que contrairement à ses convictions d'humaniste, l'éducation seule ne suffit pas à rendre l'homme meilleur. Connaissons des gens qui sont passés par des universités prestigieuses et qui après, eh bien, se sont fait sauter, tuant autour d'eux. Mais son insistance sur un discours riche et argumenté recevrait sans doute l'approbation de pédagogues contemporains. En tout cas, je peux mentionner l'un d'entre eux. Lorsque nous avons fêté le 500e anniversaire de la naissance de Sturm en 2007, par un heureux hasard, paraissait l'ouvrage d'un linguiste, Alain Bentolila, qui depuis a d'ailleurs beaucoup fait,
Il a beaucoup œuvré pour lutter contre l'illettrisme. Il a mis en place des dispositifs pédagogiques à la fois en France et au Maroc. Et comme Sturm, il a rédigé un certain nombre d'écrits pédagogiques et didactiques. Parce que ce que j'aurais dû ajouter, c'est que Sturm n'a pas seulement rédigé de grands traités, mais il a rédigé de petits livres scolaires, destinés même à l'enseignement primaire. Donc de petits instruments tout à fait utiles. Alors voilà ce qu'écrivait Bentolila en 2007. La violence est l'inéluctable conséquence de l'incapacité à mettre en mots sa pensée en y mettant de l'ordre. Seuls les mots apaisent une pensée sans cela chaotique, tumultueuse, qui finit par exploser dans un acte incontrôlé de violence. Et donc, 500 ans après Sturm, cet auteur plaidait lui aussi pour que l'école, très tôt, s'attache à nourrir le stock lexical des enfants, à travailler sur le sens des mots. Alors, il disait, si l'abondance des mots, c'est la même expression que Sturm, la copia verborum, ne garantit pas toujours l'efficacité de la communication, en revanche, la pénurie de mots et l'imprécision constituent toujours une promesse d'échec. Et donc, ce diagnostic posé il y a une quinzaine d'années, sur lequel l'auteur n'est pas revenu, mais il l'a confirmé dans des ouvrages récents, montre à mon sens que les objectifs visés par Sturm et ses moyens pédagogiques, eh bien, gardent en partie leur pertinence et sans doute aussi n'ont pas toujours été suivis par les pédagogues qui ont suivi Sturm et notamment par un certain nombre de pédagogues de la fin du siècle dernier, voire du début de notre siècle. Sturm estimait qu'il faut poser les bases, petit à petit, qu'il ne faut pas d'emblée donner la parole à l'enfant s'il n'a pas de base, que ce n'est pas à l'enfant de faire d'emblée son éducation, mais qu'il y a bien des contenus qu'il faut transmettre dans un premier temps. Donc j'espère vous avoir montré modestement l'importance de cet homme d'une érudition qui impressionne, et on se sent vraiment des nains par rapport à ces géants du XVIe siècle qui avaient une culture classique aussi importante. Alors, ce qui fait défaut aussi, c'est, vous voyez, c'est une éducation classique. Ce qui nous manque, c'est les sciences, évidemment. Ça, c'est vrai. Évidemment, les choses ont passé par là. Mais pour le reste, on reste assez humble devant quelqu'un comme Sturm et assez émerveillé de la pérennité d'un certain nombre de concepts et de notions qu'il a développés. Je vous remercie de votre attention. J'espérais un message optimiste, vous nous l'avez fourni. Il y a donc encore des choses à faire. J'ai retenu quelques mots qui m'ont vraiment rasséréné. Le mot émulation, par exemple, la place des parents, l'accès de tous au savoir, puisse par le biais d'une bourse, l'importance du discours. Et j'ai beaucoup aimé les conclusions de M. Bentolila, que je n'ai pas retenu dans son intégralité. Mais je trouve que cette conclusion est très belle. Ma conviction est qu'il y a beaucoup à faire toujours en matière d'éducation et que de temps en temps, il faut savoir s'inspirer de gens pertinents. Et ce qui, moi, me surprend et que je considère comme exceptionnel, c'est le fait que ce qu'il a créé il y a 500 ans soit toujours pérenne. Ça m'a quelque part mis sur les fesses. Je trouve ça exceptionnel. Il y a une raison. Alors, est-ce que ma question est la suivante, est-ce que pendant les 500 ans, l'enseignement de Sturm a toujours été respecté ou est-ce qu'il a été très contesté? Est-ce qu'il y a eu des périodes? Est-ce qu'il y a un renouveau? Parce que le mérite du gymnase, c'est que 500 ans après, il est toujours prestigieux. Alors, il y a à l'université comme le gymnase ont forcément traverser des périodes de plus grande faiblesse, aussi par le fait que, à certaines époques, notamment dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, le népotisme régnait,
dans la nomination des anciens. Parfois, c'était pas mal. Hein. Vous aviez aussi un prestigieux professeur de médecine qui faisait tout pour que son fils soit nommé à sa chaire, mais c'était pas toujours non plus l'idéal. Donc, il y a eu des hauts et des bas. Mais c'est vrai que le gymnase a quand même su garder un fil conducteur. Et puis quand je vois des... Je m'intéressais à quelqu'un de tout à fait différent de Sturm, mais qui fait partie d'un des théologiens qui a été académicien au XXe siècle. Il s'agit d'Oscar Kuhlmann, je ne sais pas si ce nom vous dit quelque chose, qu'on a dépeint comme l'ami de trois papes. En fait, il a été l'ami de quatre ou cinq papes, un protestant marqué par l'écuménisme. Et il avait fait toutes ses études au gymnase à l'époque allemande. Et il est entré ensuite à l'université française en 1920. Et il me racontait qu'à son époque, au gymnase, bon, sur les photos de classe, il n'y a que des garçons hein, sur sa classe. Ouais. Et donc, c'était pas encore des études scientifiques comme aujourd'hui. Là encore, ce n'était pas la moitié d'une promotion qui ensuite, en terminale, voulait faire médecine. Mais c'était l'instituteur qui disait, ben, toi, tu es le meilleur, là, tu sais, tu pourras faire du grec et de l'hébreu, tu feras pasteur. Alors, je me plais à rêver quand même, en tant que professeur en faculté de théologie, qu'on ait de nouveau des conseils de ce type qui soient donnés aux étudiants en terminale. Mais bon, c'est un rêve. Voilà. Je pense que la parole est à la salle, je vais promener le micro. Il y a pas mal d'enseignants, j'espère qu'ils vont se lancer. Alors. Vous êtes tout d'un coup pour toi. Madame la députée. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour cette conférence. En fait, j'ai pas vraiment une question, mais je peux pas m'empêcher de réagir à cette conférence en racontant peut-être une ou deux anecdotes. Déjà pour dire que Jean Sturm me suit pendant quelques jours, puisque je suis intervenue dans une école aujourd'hui à Nordheim, qui est le groupe scolaire Jean Sturm, que ce soir il y a cette conférence, et que demain, pour ma part, je fête les 10 ans de l'obtention de mon baccalauréat, et donc je retourne au gymnase, et donc j'ai vu ça comme une belle ironie de l'histoire, cette conférence. Mais surtout en vous entendant parler, moi ce qui m'a frappée, quand je suis entrée au gymnase, je faisais un petit peu mes calculs avant, c'était la 475e rentrée scolaire. Et je me souviens, on avait été accueillis dans la cour de l'école en disant « Bienvenue, on inaugure la 475e rentrée scolaire ». Moi, ça m'avait beaucoup impressionnée. Mais surtout, quand je vous entends parler, tout cet héritage, en réalité, si j'apporte un peu ce témoignage, je trouve qu'il est quand même resté d'une certaine manière. Nous, on avait des professeurs très portés sur les lettres, très portés sur l'humanisme aussi, qui accordaient beaucoup de crédit à l'histoire de notre établissement. Quand vous rentrez dans le gymnase, pour ceux qui l'ont déjà visité, vous avez la chaire de Calvin qui est à l'entrée. Tout est fait, tout est pensé pour transmettre cette mémoire aussi en tant que ancien élève, et effectivement, moi je me suis souvent dit, là où je vais dans beaucoup de groupes scolaires, que souvent beaucoup d'établissements n'ont pas suffisamment cette histoire qui leur est enseignée. J'étais par exemple avant étudiante au collège Frison Roche à La Brocque, quand vous êtes étudiante au collège Frison Roche, en réalité, c'est l'histoire d'un alpiniste aussi. C'est ça ce qui doit être transmis aux élèves, comment le nom qu'on donne à un établissement scolaire nous imprime, nous fait vivre et nous porte dans la durée. En tout cas, je trouve que le gymnase l'a bien transmis au fur et à mesure des années. Et ce soir, vous m'avez fait un petit peu voyager aussi, à la fois dans mes années d'études et en même temps en réexpliquant toute sa philosophie. Alors, c'était plus pour dire merci, davantage que pour une question, même si j'en avais une. Ce serait plutôt vous, quel regard vous portez aujourd'hui sur l'enseignement de l'éducation, au regard des grands principes qui nous sont évoqués par le gymnase, et notamment sur la différence, puisque j'ai pas bien compris, aujourd'hui c'est un lycée privé, hein, le gymnase Jean Sturm. J'ai pas bien compris si à l'époque, avec les étudiants qui venaient de l'autre bout de l'Europe aussi, est-ce que c'était un établissement qui était privé, public, enfin comment c'était organisé, ça m'intéresserait bien de le savoir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup de ce témoignage personnel. Donc vous situez dans la lignée des brillants anciens du gymnase. Et donc pour poursuivre l'anecdote, quand mes parents voulu m'inscrire au gymnase,
on leur a dit « Ah, mais vous ne vous rendez pas compte, il fallait le faire avant sa naissance ou presque. » Ils étaient un peu surpris. Et donc, j'ai été inscrit dans un groupe scolaire très bien de la périphérie de Strasbourg au Auberg. C'était parfait, avec des institutrices qui étaient encore très, 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 très droites et tout. On apprenait aussi les savoirs fondamentaux. Et puis après, ben, j'ai fait des études plus classiques dans d'autres établissements, mais ça, c'est pas très important. Alors, le caractère privé ou public, en fait, non, c'était, il y avait deux types d'écoles, hein, soit des écoles cathédrales, qui dépendaient finalement de l'Église, et on ne saurait trop insister, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'Église est la cible de toutes les critiques, mais n'est-ce pas, si on n'avait pas ce passé chrétien, ben, on n'aurait pas d'hôpitaux, on n'aurait pas d'école, enfin, on serait devant Chandruine, ou presque, il ne faudrait pas l'oublier, vous soulignez le poids de l'histoire, et donc le fait que, à la Réforme, en ayant mis la main sur des biens d'Église, eh bien, le magistrat reprend les affaires scolaires en main. Et de même d'ailleurs qu'il reprend la nomination des pasteurs et la retire à l'évêque, etc. Donc ce n'est pas un établissement privé comme on le considérerait aujourd'hui, c'est un établissement, c'est une fondation de la ville de Strasbourg, et donc c'était cette ville qui pouvait octroyer des bourses aux étudiants. Alors, je note, et ça me permet de tisser un lien avec l'actualité, c'est qu'aujourd'hui encore, le chapitre de Saint Thomas, dont dépend en partie le gymnase, puisque le scolarque du gymnase, c'est-à-dire le professeur qui est chargé de veiller sur le gymnase universitaire, et donc c'est un membre du chapitre de Saint-Thomas, le chapitre de Saint-Thomas continue à la fois d'attribuer des bourses et d'attribuer des prix à des étudiants ou à des lycéens. Donc il y a cette œuvre importante, me semble-t-il, de donner les moyens à tous, n'est-ce pas ? Et ça me semble important, n'est-ce pas ? Parce que ce qui me semble critiquable aujourd'hui, on connaît très bien les questions de carte scolaire, on connaît très bien les questions d'évitement, et on sait très bien surtout que ceux qui sont les plus grands prêcheurs, ils prêchent pour les autres, mais eux-mêmes, ils ont les codes, et ils ne vont pas envoyer les enfants là où ils plaident, la mixité sociale pour les autres. Donc ça, je crois qu'évidemment, c'est une œuvre importante. Et moi, ça m'avait beaucoup ému quand j'avais lu cette préface de Sturm avec cette fondation de bourse pour les jeunes gens dont le seul malheur, c'était d'être né de parents pauvres. Merci. Merci, Monsieur le Président. Une question. Science sans conscience, écurie de l'âme, pour Rabelais. Mieux vaut une tête bien faite que bien pleine. Montaigne. Est-ce que tous ces gens se connaissaient, entre autres Rabelais, Guillaume Bidet et Jean Sturm ? Parce que je pense que tout ça n'est pas tombé du ciel, même pour Jean Sturm, avec des influences diverses dans cela. Tout à fait. Alors, Sturm et Bidet, oui, ça, ce sont des hommes de la même génération. Alors, je n'ai pas. Jean Sturm nous a laissé des centaines de lettres, sans doute même beaucoup plus. Et avis à preneur, c'est-à-dire que nous cherchons des éditeurs de cette correspondance qui pourraient sans doute apporter des réponses à vos questions, mais ces lettres, pour l'instant, sont inédites. C'est-à-dire qu'elles sont simplement dans une écriture du XVIe siècle, ou lorsqu'elles n'ont pas échappé à l'incendie de la bibliothèque de Strasbourg, se trouvent sous la forme où nous les avait copiées un érudit qui s'appelait Baum, et qui, heureusement, il ne savait pas qu'il y aurait un incendie à la bibliothèque, mais il avait pris quelques décennies plus tôt des lettres en copie. Donc je ne peux pas répondre pour chacun de ces auteurs précisément, parce que je ne connais pas l'ensemble de la correspondance de Sturm. Je suis moi-même empêtré à la suite de Jean Roth depuis bientôt trois décennies dans l'édition de la correspondance de Bucer, qui ne respectait pas entièrement les préceptes de Sturm, qui n'avait sans doute pas appris à former élégamment ses lettres quand il était dans des petites classes, ou qu'il avait oublié, et
qui avait aussi oublié de s'exprimer brièvement, puisque souvent ce sont des lettres de 10, 30 pages ou peut-être plus. Donc imaginez la tâche d'un éditeur quand il a des centaines de lettres de ce type à éditer. Voilà. Mais donc, pour répondre, je ne connais pas assez les sources, à part les contacts avec Budet, qui sont attestés pour vous répondre en ce qui concerne les autres. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que Jean Jetour avait un grand intérêt, même s'il a passé toute sa vie à partir de 1537 en Alsace, pour ses coreligionnaires français, et qu'il s'est même endetté grandement pour pouvoir les soutenir pendant les guerres de religion. Parce que il a prêté notamment à la branche protestante des Rohan et il n'a jamais été remboursé. Une autre question. Quand est-ce que les femmes ont intégré le gymnase, les jeunes filles à peu près? Écoutez, je ne sais pas, je n'ai pas fait... je peux vous répondre pour la théologie. Parce que les universitaires, c'est songer que la fiancée d'Albert Schweitzer, Hélène Breslau, qui était une femme remarquable, elle parlait couramment l'anglais, ce n'était pas le cas d'Albert, qui avait d'autres qualités, elle a pu prendre des cours à l'Université de Strasbourg en tant qu'auditrice libre parce que son père était professeur et même recteur. Alors elle avait le droit. Et puis en 1918, les premières jeunes filles s'inscrivent à la faculté de théologie protestante. Et une fois qu'elles ont accompli leur cursus, eh ben, tout naturellement, elles posent leur candidature à l'Église. Et à ce moment-là, les gens du directoire se plaignent à la faculté de ce que sortent de plus en plus de jeunes filles qui viennent les solliciter. Alors on a un professeur de Nouveau Testament, doté d'un fort sens de l'humour, qui écrit au président du directoire en disant que... il n'y peut rien si la faculté est frappée de ce grand malheur, de l'attrait qu'elle exerce sur les jeunes filles. Voilà. Mais donc, je botte un peu en tout, je ne sais pas exactement quand les filles ont pu étudier au gymnase. Plus de questions? Pardon. Oui, je me décide à faire cette observation. En méditant vos propos sur l'importance qu'on accordait, particulièrement Sturm, donc au début du XVIe siècle, sur l'acquisition des connaissances et sur l'importance du débat, la disputatio, qui déjà commençait au Moyen-Âge, au XIIIe siècle, hein, si je me souviens de ce que j'ai lu chez Le Goff. Et si je fais le parallèle avec aujourd'hui, de nos jours, où l'enseignement supérieur est à la portée de tout le monde, où le niveau, paraît-il, n'arrête pas de monter, etc., jusqu'où ira-t-il, et où on arrive à ce paradoxe que, 500 ans après Sturm, au lieu qu'il y ait des débats d'idées, on en arrive avec je n'ose pas dire la mode du wokisme, d'interdire des débats à l'université lorsque le conférencier est réputé ne pas être conforme à l'idéologie en vogue. Je pense par exemple à Elisabeth Badinter, entre autres. Il y a là une espèce de régression, après vous avoir entendu développer tellement, de façon tellement brillante, ce qu'était l'enseignement de Sturm et de ses collègues à l'époque, et comparé avec aujourd'hui, enfin, moi en tant qu'ancien universitaire, je veux dire, ça me hérisse et ça me met dans un état de sidération. Les mots me manquent aussi, mais d'incompréhension en tout cas. C'est un paradoxe qui enfin, c'est pas normal. Oui, merci beaucoup. Oui, je pense que ces 600 élèves du gymnase, ils venaient de l'Europe tout entière. Il va de soi que tous les petits Strasbourgeois n'avaient malheureusement pas le privilège de passer par cette école latine. Ça, il faudrait le rappeler. Ouais. Bien sûr, ce qui veut dire que ce que vous dites à propos de l'université, c'est le revers de la massification, en effet, des études. Mais je dirais que ça fait plus d'un quart de siècle que j'enseigne à l'université, après avoir enseigné aussi dans les classes de primaire la religion, en tant que pasteur. Et c'est très formateur.
voilà, parce que j'avais été confié en tant que vicaire à un instituteur de Sainte-Aurélie qui avait de la bouteille. Et puis j'ai appris qu'il fallait vraiment faire du théâtre hein, avec les petits pour tenir sa classe. Mais donc, après 25 ans de pratique, je ne peux pas dire que les meilleurs étudiants sont moins bons que les meilleurs étudiants d'il y a 25 ans. Ça, je ne le pense pas. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses que, l'épaisseur du cours que je donne en première année s'est réduite progressivement. Ça, c'est clair. Mais voilà. La culture du débat, ça, c'est quelque chose qui me paraît plus important. Et je crois que je n'ai pas encore eu de cas de ce type à Strasbourg. Et s'il y en avait, je ferais tout pour soutenir les collègues concernés. Et c'est vrai que on ne peut qu'être navré de se dire que quelqu'un comme Elisabeth Badinter, disons, soit interdite de parole. Je crois que là, il y a un vrai problème, c'est que il y a des personnes dont la susceptibilité personnelle est exacerbée, mais qui s'en fichent complètement du tort qu'elles causent aux autres. C'est-à-dire qu'elles ont l'impression d'être blessées par des contenus de ce qui pourrait être dit. Elles ne savent même pas ce que c'est. Et qu'elles sont prêtes à vouer aux gémonies les enseignants qui viendraient, voire à faire en sorte que ça se passe aux États-Unis, qu'ils perdent leur poste, etc. Donc, je peux vous assurer qu'il y a assez de collègues, me semble-t-il, pour qu'on n'en arrive pas là en France. Mais c'est vrai qu'il faut être très vigilant pour éviter ce type de dérive. Merci beaucoup. Il me reste à faire les choses du jage, c'est-à-dire dans un premier temps vous offrir un peu de vin de Molsheim. Et il est évidemment très bon. Je ne vous cacherai pas que celui de 2017 a été bu depuis. Merci beaucoup. Et deux livres, l'un sur la chartreuse et l'autre sur le procès de sorcière dans la région. Ce sont des modestes livres que nous avons réalisés ici, non pas la portée scientifique des vôtres, ce qui permet de faire le lien. Vous m'avez dit avant de venir que vous proposiez à la vente deux livres que vous avez commis, l'un qui est donc Albert Schweitzer, prédicateur. Vous pouvez peut-être rajouter un petit mot. Oui, alors en fait, j'aurais bien voulu venir avec le traité de Stour. Moi, j'étais très frustré qu'il ne soit pas réimprimé, parce que je crois que c'était... Et puis je me suis dit, qu'est-ce que tu peux proposer sur l'éducation ? Il se trouve que j'ai rédigé il y a 2 ans un ouvrage sur Schweitzer, prédicateur, et il y a des choses qui concernent l'éducation dans cet ouvrage. Et l'autre ouvrage n'est pas un ouvrage de moi-même, mais c'est un ouvrage que j'ai édité, qui est tout neuf, que vient de publier mon maître Marc Linhart. Et c'est toujours extrêmement émouvant quand on a un maître depuis 40 ans et qu'on continue de pouvoir travailler avec lui et s'entendre avec lui. Et donc je me suis dit, je vous apporterai ce livre parce que tous peut-être ne se rendent pas à la librairie Oberlin ou ailleurs. Donc c'est vraiment le dernier ouvrage et le plus informé sur Martin Bucer, hier et aujourd'hui. Donc vraiment j'insiste sur la grandeur de ce personnage qui s'est entouré de gens qui à certains égards étaient plus grands que lui. Et ça je trouve que c'est rare, tout à fait. Donc le livre de Marc Linhart, je ne le dédicacerai pas. Tout à fait, oui. Ok, donc Monsieur Arnold restera dans la salle pour ceux qui veulent acheter les livres et les faire dédicacer. Pour tous les autres, vous êtes invités à un pot offert, je l'espère, par la municipalité. En bas de l'escalier à droite, il y a un petit enclos qui nous est réservé. Vous pourrez boire un coup et manger un petit quelque chose en souvenir de cette soirée. Donc ainsi se clôt et l'Assemblée Générale et la conférence de ce soir. Merci beaucoup et encore un grand merci à notre conférencier.